Qu'est-ce que l'érotomanie? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité. Dans cette vidéo, on va parler de l'érotomanie, aussi appelée syndrome de Clérambeau. Alors, qu'est-ce que c'est que l'érotomanie? Eh bien, c'est la conviction délirante d'être aimé. C'est quelqu'un qui vit en fait une psychose paranoïaque où il est persuadé que telle ou telle personne l'aime. Il est persuadé d'être aimé. Alors, par tout le monde ou par certaines personnes, ça dépend, il est persuadé qu'on l'aime, tu vois. Et cette psychose, elle peut aller tellement loin que quand une personne la repousse ou lui dit « mais non, mais je ne suis pas amoureux de toi » ou « je ne suis pas amoureuse de toi », eh bien, la personne pense que c'est une stratégie, tu vois, pour cacher, c'est un stratagème pour cacher leur amour au monde, c'est un stratagème pour essayer de le séduire. Il s'imagine que c'est une stratégie alors que c'est juste « non ». Non, c'est dans ta tête, non, on t'aime pas, tu vois. Donc c'est ça, tu vois. Alors, l'érotomane, la personne qui est atteinte d'érotomanie, elle n'est pas toujours amoureuse en retour de la personne. C'est juste qu'elle croit, elle a la conviction d'être aimée par des gens, par des personnes en particulier ou par tout le monde. Elle n'aime pas forcément ces personnes-là en retour, mais elle a la conviction d'être aimée, tu vois. Alors des fois, elle aime en retour. Notamment, ça a été observé chez certains psychiatres qui traitaient des érotomanes la personne était tombée amoureuse de son psychiatre et puis était persuadée que le psychiatre était amoureux en retour et tout. Mais c'est une maladie très rare et ça rend le traitement très long et très difficile. Donc voilà pour l'érotomanie, c'est quand même une maladie rare. C'est quand même une maladie dont j'avais envie de parler parce que je trouve le concept surprenant. Après, il y a des gens qui pensent que personne ne les aime, il y a des gens qui sont paranoïaques, qui pensent qu'on veut les empoisonner, machin. Et là, c'est la paranoïa à un stade où tu penses que tout le monde est amoureux de toi ou qu'on est amoureux de toi ou qu'on veut ton cul, tu vois, en gros quoi. Voilà pour cette vidéo sur l'érotomanie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, télécharger le guide gratuit dans la description, rejoindre le groupe privé de la Cyprine. Puis je vous dis à bientôt et que le dieu de la Cyprine soit avec vous.